Salut les amis, c'est Monsieur Nour, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Forza Horizon 3 les amis. Aujourd'hui, une petite balade en classe S2, bien sûr la dernière hein, de la balade en classe. Ensuite on switchera de concept, on passera sur autre chose, peut-être par marque, peut-être par autre chose. N'hésitez pas, j'y pensais aussi, n'hésitez pas, hein, si vous avez envie que je fasse une de vos épreuves. Vous pouvez créer une épreuve, me dire, bah tiens, faut que tu fasses cette épreuve-là, elle se trouve ici. Vous m'imposez les voitures que vous avez envie, puisque vous pouvez choisir les voitures qui seront disponibles dans cette épreuve. Et j'essaierai de la faire, bien sûr, en vidéo, si vous en avez envie, bien sûr. Donc n'hésitez pas, un petit truc, si vous avez envie que voilà de voir votre épreuve, vous mettez un titre, vous mettez la position de l'épreuve, et vous me dites, bah tiens, tu vas te rendre là, et puis tu vas faire cette épreuve-là. Et puis voilà, et vous m'imposez la voiture ou les voitures que vous avez envie que j'utilise dans cette épreuve. Voilà les amis. Donc nous, on va commencer avec une balade en S2. Donc les voitures les plus puissantes que j'ai en ma possession, parce que je n'ai pas de voiture X encore. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour ces premières courses? Peut-être des voitures qu'on n'utilise pas très souvent non plus en live, hein, qu'on n'a pas l'habitude de trop voir. Je sais pas trop en fait. Bah la GTR Nismo, tiens, on l'a pas trop utilisée, je crois. Ouais, allez, on va partir sur ça pour la première course. Il y a 4 courses au total, les amis. Et on va faire ça tranquillement, comme d'habitude. Et juste pour vous rappeler aussi que je serai en live sur Forza Horizon 3 vendredi soir, les amis. Si vous avez envie de venir, je serai peut-être en compagnie de Lenzo et de Max, bien sûr, s'ils sont là et s'ils sont dispo, bien sûr, aussi. Allez. Chargement, 4 épreuves au cours en cours cette semaine, j'allais dire, non, sur cet épisode. Et on y va. On va tester cette petite GTR, voir si elle est aussi bien en version Nismo qu'en version normale. C'est parti. Alors, il y a déjà une voiture qu'on n'a pas photographiée. Je vais pas le faire bien sûr en épisode, hein, je vais faire en off tout ça. On n'est pas loin des 150 voitures photographiées, donc ça avance bien. Et la voiture est plutôt assez stable. Ça, c'est ce qu'on attend d'une GTR. De la stabilité, de la maîtrise. Par contre, s'excite un petit peu pour remonter dans le classement. On a 3 tours à faire. Allez, laissez-moi passer, bande de trolls. Bande de trolls des grands chemins. On essaiera de changer de vue aussi de temps en temps pour quelques courses. Faire une petite vue capot, peut-être faire une petite vue intérieure aussi, histoire de contenter tout le monde. Même si je sais que la plupart des gens préfèrent que je sois en vue extérieure, hein. Mais il y en a aussi qui préfèrent que je sois en vue capot ou en vue intérieure. Elle a un putain de retour de flamme, cette GTR là. Attention quoi. Comme dirait un grand youtubeur, elle est pas à piquer les hannetons. On ne le citera pas, hein. Il est notamment très très bien connu. Je crois qu'il approche en plus de pas loin des 2 millions d'abonnés maintenant. Ça fait réellement plaisir. Je l'ai connu, il en avait même pas 30 000 je crois. Et le voir à 2 millions, ça fait plaisir parce que c'est un très très grand youtubeur, très très bon esprit. Et je kiffe plutôt sa mentalité par rapport à certains. Allez, on a le troisième et dernier tour, tranquillement, on se balade. La voiture est très agréable. Ça le fait les amis, on va passer la ligne tranquillement et boum. Bon, alors il y a eu une annonce aussi. Alors j'ai pas fait très attention à l'annonce, mais j'ai vu une annonce intéressante. Apparemment,
Le premier DLC sur Forza Horizon devrait pas tarder à arriver, les amis. Donc on voit le classement du championnat après cette première course. Donc je suis en tête. Et ben dis donc les amis, Natsuki qui est 7ème avec une Viper GTS, Hugogo qui est 8ème avec une Red Jera, Frelon Fève, tiens ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu en championnat avec nous, c'est avec sa Corvette qui est 9ème, Samy 10ème avec sa Ferrari F12, Mekio qui est 11ème avec son Aventador, et c'est tout dans mes amis. Allez, on passe à la suivante. Alors d'abord peut-être un niveau de pilote, hein, ça ferait plaisir. On devrait pas tarder à avoir les 4,5 millions hein, pour acheter la Veneno de Debilov. Donc très très bien pour le prochain live, à mon avis, ça devrait être faisable. On n'a pas pris le niveau de pilote, c'est bien dommage. Bientôt le niveau de fan, par contre. Allez, on va se débrouiller pour aller donc à la prochaine course qui est par là-bas. On changera bien sûr de voiture, hein, les amis. Au rond-point, prenez la première sortie. Merci Jacqueline. À 400 mètres, vous arriverez à destination. Ah bah c'est gentil ça, Jacqueline. Allez, vous épreuve rendue. Continuer le championnat. Alors cette fois-ci, on va prendre quoi comme voiture? Alors le DR8, on l'a déjà utilisé. La Z4, je crois qu'on l'a déjà... On va prendre la Z4, parce que même si on l'a déjà utilisé, c'est très rare qu'on prenne la BMW Z4. Du coup, on va faire la course avec celle-ci, tiens. Avec une magnifique peinture Rockstar. Alors ça, c'est pas moi qui les ai mises dans ces peintures, c'est les voitures ont été achetées comme ça. Enfin, montées, livrées comme ça. Plutôt. C'est des voitures de PAX. Hein. Il me semble qu'on a déjà utilisé le Z4 en live, mais je me souviens plus trop. On va voir si c'est bien ou pas. On va changer de vue par contre. Non. Comment on change de vue déjà? Ah oui, c'est... On va se mettre en vue capot. Ouais, déjà on a beaucoup moins de grip que la GTR juste avant. Ça freine plutôt bien par contre. Ouais, par contre tout le monde nous double, là je suis pas d'accord. Hein. Ah ouais monsieur, faut partir avec votre Lamborghini là, s'il vous plaît. Monsieur, oh non mais c'est pas possible ça monsieur, c'est interdit ça monsieur. Non mais monsieur s'il vous plaît, faut arrêter les conneries à un moment donné. Ok, on se calme. Oh ça va mal se finir ça, je le sens. J'ai l'impression que la voiture est toujours de travers. On est 10ème, c'est génial. Les premiers ont pris déjà énormément de distance. Putain, mais je suis pris en sandwich, arrêtez quoi. Laissez-moi tranquille. Bordel. Ah ouais, les premiers sont déjà très très loin. Oh là là, bordel, mais c'est pas possible. Ils le font exprès. Non mais sérieusement. Pourquoi la voiture, sans me pousser, arrive à me faire partir en cacahuète, s'il vous plaît, quoi. Ok, d'accord, quand c'est pas d'un côté, c'est de l'autre. Très bien. Ok, bah je sens qu'on est mal barré pour cette épreuve, les amis, malheureusement. Mais ça va le faire, vous inquiétez pas. Même si on finit pas premier, on va essayer de remonter le plus haut possible. Barrez-vous !
est remonté quatrième, c'est le dernier tour. Merci, vous m'avez aidé, monsieur. Bon, maintenant, par contre, faut se pousser, s'il vous plaît. Monsieur Natsuki, s'il vous plaît. Non, mais oh, c'est plus où, lui? À la foire à la saucisse? Salut! Salut! Quelle maîtrise, les amis, on est repassé premier dans le dernier tour. Bon, par contre, faut pas se faire distancer là, par contre, parce que c'est la fin. Il faut pas qu'on nous la fasse à l'envers. Oh, premier! Et bim! De très peu, mais on est premier. Bon! Bon, la Z4, c'est pas ce qu'il y a de mieux, les amis. Hein, on va voir le classement général. Donc, je suis toujours en tête. Par contre, Mikio vient se glisser à la deuxième position. Ex aequo avec Samy sur Aventador et Ferrari. Natsuki à la quatrième place avec sa Viper. Hugogo remonte à la sixième place avec sa Nismo GTR. Il a vu que ça maîtrisait sur la première course. Donc, du coup, il a changé de voiture. Monsieur Blasco qui vient de faire son arrivée avec sa Z4. Et puis, c'est tout. Allez, les crédits, l'XP et les fans. Allez, on est passé niveau 78, un petit wheel spin. On peut gagner une Viper SRT10, ça pourrait faire plaisir. Boost de crédit en plus. Eh ben non, on aura 100 000. On a les 10 millions de fans. Donc du coup, ils vont nous dire « Ah, mais tu peux aller... Mais j'ai pas envie. »« Ouais, mais tu peux quand même débloquer... » »« Salut, Tony. Tu ne me croiras jamais. »« Ah non, j'ai proposé un truc à Horizon pour le rassemblement final. C'est l'idée la plus énorme, débile et démente que j'ai jamais eue. Je pensais que ça ne passerait jamais, mais ils ont accepté. Alors en avant, ramène-toi ici tout de suite. » Bah non. Non, moi j'ai juste pas envie, quoi. Je peux aller faire autre chose à la place? Est-ce que je peux continuer mon championnat? Ça, par contre, c'est bien relou. Hein. Ça, par contre, c'est bien relou. Ouais, ça, c'est bien relou, du coup. On peut pas se TP. On peut pas se TP directement là-bas. Non. Par contre, on peut se TP ici. Vas-y. On fera moins de route comme ça, parce que c'est ça hein, qui est relou. Enfin, me refaire 10 km, alors après, je vais devoir redescendre pour aller faire les deux autres courses. Allez. Bon, en même temps, on a gagné 3 km, quoi. Super. À 200 mètres, tournez à gauche. On a gagné 3 km, quoi, donc... c'est pas non plus génial. Oh, ce Z4 là, il va retourner vite fait au garage. Hein. Il va retourner vite fait au garage, le Z4. Moi, je vous le dis. À 400 mètres, déportez-vous sur la gauche. Restez à gauche. À 200 mètres. Je vais demander un freinage alors qu'on tourne juste comme ça, sérieusement. Tournez à gauche. Tournez à droite. Tournez à droite. Par contre, il freine plutôt bien. Hein. C'est vrai que là-dessus, faut pas lui enlever, il freine plutôt bien. Par contre, il demanderait un peu plus de maîtrise sur la propulsion, quoi. À
400 mètres, déportez-vous sur la droite. Olé, olé, ça passe, tout va bien. Restez à droite. Vous avez atteint votre destination. Allez, allons voir ce que nous réserve cette épreuve, donc. On y croit. On y croit, les amis. Ah, oui. Génial. Contraint, bien sûr. Ballon dirigeable. On y est, boss. Le rassemblement final. Ah, le rassemblement final. Donc, c'est le dernier, quoi. Calme-toi, Jacqueline. Calme-toi, Jacqueline, quand même, s'il te plaît. On fait vraiment la course contre un des ballons dirigeables qui avance super vite. Elle est sympa cette petite voiture là, par contre, elle est bien, bien cool. Elle se maîtrise plutôt pas mal, elle part très très bien en drift. Donc peut-être un petit peu de puissance. Autrement, elle est vraiment sympathique. En plus, lui, il prend pas les checkpoints, quoi. Sérieusement, c'est quoi cette triche? Allez, la cinématique, mon pote. Qu'est-ce que tu vas faire? Allez, on est à peu près à la moitié de la course. Et il touche quand même en direction ballon dirigeable quand même. Hein. Il touche sa bille. Hein. De la course, ça sent la ligne d'arrivée là-bas, on y est presque. Le ballon nous devance. Va-t-on réussir ce coup magistral de gagner sur un ballon dirigeable, les amis? Va-t-on le faire? Voilà, c'est fait. On l'a jamais lu. C'est la clameur de 50 000 fans qui en ont pris plein les yeux. Rien 50 000, c'est tout. Toi, boss. Bah bien sûr, je le sais. Je le sais très bien, Jacqueline. Allez, donne-nous des crédits, voilà, fais plaisir. Pas beaucoup d'XP, pas beaucoup de crédits, c'est pourri ça. Je suis pas d'accord, moi. Bon. On va retourner à notre championnat normalement. Je dis bien normalement, sauf s'il faut qu'on aille débloquer un festival.
Super, on a réussi. La fiesta la plus chaude, la plus rapide et la plus folle sur quatre roues. Le plus grand festival Horizon de l'histoire. Toi et moi, on a réussi, boss. Ah non, c'est fini ? Ah ouais, d'accord. Ok, salut. On a fini le mode histoire, enfin l'espèce de mode histoire de tout. Mais je crois qu'il manque un festival à débloquer, il me semble. Un horizon de malade. Il me semble qu'il me reste un festival à débloquer dans le désert. Donc c'est bizarre d'avoir terminé le truc alors que j'ai encore un festival à débloquer. Bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave, on s'en fout. Salut Tony, ton fan club Bonjour. Officiel ne tient plus sous le chapiteau. Il va falloir Voilà. étendre le site. Ouais, c'est bien ce que je disais. Donc là, on pourrait augmenter celui-ci level 5, mais on peut débloquer aussi celui-ci. À 100 mètres, 11 km, c'est sérieux. Mais là, est-ce que je peux aller faire autre chose d'ailleurs? Ouais, on peut retourner la course parce que ça va quoi. Du coup, il nous reste deux épreuves. Et on n'est pas très loin, du coup, on va aller faire ça. À 200 mètres, tournez à gauche. On va aller faire nos deux dernières épreuves pour tournez finir l'épisode. Et puis moi, en off, j'irai. Non, mais t'es sérieux, le Z4. Moi, en off, j'irai. J'irai agrandir festival. Allez, 247 km/h les amis, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que ça donne au niveau des étoiles? Que deux étoiles? Il nous manquait combien là? Combien de kilomètres pour avoir trois étoiles? Ah, ils vont pas nous le dire. Merde. Tournez à gauche. Oh putain, fallait tourner. Bonjour. Arrête, arrête. Votre destination. Allez, avant dernière épreuve, les amis, on va changer de voiture, bien sûr. On en laisse ce Z4, la Viper, non, pas trop. La F12, ça, on l'a déjà utilisé. La Ford GT, pourquoi pas. La Regera, la One to One, Aventador, la Veneno, pas la Veneno, mais la Huracan. Bah du coup, on va utiliser la Aventador, tiens, les amis. On va utiliser une petite Aventador et puis on terminera par une Ferrari, une F12, tiens. La 458, on l'a très souvent utilisée, donc on va prendre la F12 cette fois-ci. Mais là, avant-dernière course, donc avec l'Aventador, histoire de nous rappeler des bons souvenirs. Et on va se mettre en vue extérieure et on terminera avec la Ferrari en vue intérieure. Allez, oh, sous la pluie. J'espère qu'on va tenir le pavé parce que. Non, s'il vous plaît, merci. C'est parti! C'est une progression. Ça freine plutôt pas mal, ça tient la route, hein, sous la pluie, ça tient la route, c'est pas mal. Très sympathique pour l'instant. Allez, barrez-vous là, j'ai pas que ça à faire, moi, messieurs, dames. Aïe. Ça survire, ça survire.
rattrape. C'est bon ça, moi je vous le dis. Arriver à 300 km/h en pleine ville, il n'y a pas beaucoup qui le ferait. Allez, 80% de la course. C'est fini! Première place, ce qui est le plus normal. Allez, classement général, toujours premier. Donc deuxième Mekio avec son Aventador 2016. Troisième Samy qui revient avec sa Ferrari F12. Cinquième Peyton Join qui fait son entrée avec sa Ferrari F12. Hugo Go qui descend à la sixième place avec son Aventador. Natsuki qui descend à la septième place avec sa Viper GTS. Et puis c'est tout. On va pouvoir passer à la prochaine course et la dernière surtout course de ce championnat. Et on aura le droit à un petit niveau pilote et donc un wheel spin sur la prochaine course. Allez. Direction la dernière course de la journée, de l'épisode, les amis. Faites demi-tour. C'est parti. Dès que possible. On est à 2,5 km de nuit sous la pluie. À 200 mètres, tournez à gauche. Ah, sous la terre. Je voulais faire le radar, mais sous la terre, on va peut-être pas passer très vite là. Si on passe par là, ça pourrait être pas mal. À 100 mètres, tournez à gauche. 405 routes découvertes sur 488. On s'y approche. Tout bonnement. Tournez à gauche. Tournez à gauche. Allez. Bon, tu l'acceptes mon épreuve là ou pas? Continue le championnat, merci. Et donc on a dit qu'on prenait la Ferrari F12 TDF. C'est parti, on fait chauffer le moteur. Dernière épreuve de la journée. Allez. De toute façon, normalement, il n'y a pas de raison que le championnat nous échappe. On a fini premier trois fois, donc du coup, on ne pourra pas être revenu, je crois. On revient du sur nous. On y va. On espère que cette Ferrari va être géniale. On va bien sûr la mettre voilà, en vue intérieure. Profiter du bruit moteur à l'intérieur de la voiture. Et ça va passer, bordel à cul. On est encore sur une progression. On se fait un chemin entre les voitures. Bonjour monsieur, il va falloir vous pousser à un moment donné. Allez, t'as rien vu venir. Eh
Elle est pas mal cette petite Ferrari, sérieusement là. Elle est vraiment sympathique. Je crois qu'on a un bon compromis entre du grip, du freinage et du drift. Ah, franchement, elle est sympathique, j'aime beaucoup. Excusez-moi, pas fait exprès. Tu vas où toi avec ton Aston Martin? Ah non, c'est pas une Aston Martin, c'est une Red Gera, excusez-moi. Faut que tu repasses derrière là. Le général Tad Ape, c'est le général de la planète des singes, ça, non? Ape, ça veut dire singe, je crois, ou alors c'est Ape, avec un S peut-être, les singes. Bon, bah on va perdre cette course, les amis. J'arriverai pas à revenir dessus, sauf si je lui fais un freinage. Oh, il n'y a pas besoin de freiner là, ils nous ont fait freiner pour rien. Et reviens Jean-Michel. Viens me voir là. Oh putain, l'accélération, la Red Gera, elle est énorme quoi. La Red Gera, la réaccélération, elle est énormissime. Bon, on finit deuxième pour cette dernière course avec cette Ferrari, qui était bien sympathique quand même. Malheureusement, on a fait une toute petite erreur et on l'a payé. Allez, au classement général, on finit premier donc avec 76 points. Sur le podium, on a Mekio avec son Aventador et 54 points. Samy termine sur la dernière marche avec sa Ferrari F12 et 52 points. Et on a aussi Peyton Join donc, qui est sur le classement 5ème avec sa Viper. Natsuki qui est 6ème avec sa Viper aussi. Hugo Go qui est 7ème avec sa Ford GT Le Mans. Et c'est tout. Voilà, les amis, terminé. Allons chercher nos crédits, nos XP et nos fans. Bien sûr. Voilà, terminé, on est content. Ouais, c'est bon, Jacqueline. N'en fais pas trop, Jacqueline. Je sais que je n'ai pas le droit de miser sur qui que ce soit. Bon, ouais, c'est ça. Allez, donne-nous un niveau. Voilà, merci, ça fait plaisir. Ouh, bonus, boost de crédit, ça peut être sympa si on gagne la voiture. On gagne une Opel GT. La Ford est juste au-dessus. La Ford GT est juste au-dessus, quoi. Bordel à cul, quoi. Bon, c'est pas grave, on a quand même gagné une Opel GT, c'est sympathique. Voilà, bon, bah les amis, on va se quitter ici pour cet épisode. Hein. J'espère qu'il vous aura plu. C'était la balade en S2. La semaine prochaine, on changera, hein, on partira sur autre chose. On m'avait demandé de faire une spéciale Mercedes, peut-être que ça sera donc une balade en Mercedes la semaine prochaine, les amis, on verra. En tout cas, je vous réitère hein, la demande. Si vous avez envie de voir une épreuve que vous avez créée vous dans mon let's play, n'hésitez pas à me le dire, me mettre en commentaire, m'envoyer un message sur Discord ou sur les réseaux sociaux. Utilisez tous les moyens possibles à votre disposition. Voilà, donc vous pouvez choisir une épreuve avec la voiture imposée ou les voitures imposées. Et je me ferai volontiers le plaisir de faire cette épreuve. Voilà les amis, passez un bon week-end. N'oubliez pas que vous pouvez partager, liker, commenter comme d'habitude. On se retrouve vendredi soir pour Forza Horizon 3 en live. Autrement, ce sera jeudi prochain pour un nouvel épisode. Salut, bye bye.